Les amis, n'écoutez pas ce traître et son ubérisatus. Moi, je vous promets du changement. Du changement par les armes. Levez-vous, armez-vous, rebellez-vous. Arrêtez de vous faire exploiter. Je commencerai par dire que nous avons fait du chemin. Je vais te saigner. Mais aussi quelques erreurs de parcours. Ils vont entrer. Vous avez rien à craindre de moi. Je vous aime. Beaucoup. Regardez. Et je sais que normalement, vous pouvez pas m'aimer. Mais avec ça, je pourrais vous offrir tout ce que vous voulez. Et même si c'est à cause de mon physique, et ben je pourrais le changer aussi. Si vous voulez. Oh. Qu'est-ce qu'elle est collante, cette gonzesse. Qu'est-ce qui m'a pris de danser avec une bimbo pareille. Tout ça pour faire plaisir à Botero. Je suis à deux doigts du malaise vagal. Au secours. Monsieur Petit. Voyons, monsieur Petit. Vous pouvez pas déjà nous quitter, vous venez tout juste d'arriver. Non, je veux rentrer chez moi. Mais c'est ici, chez vous. Allez, venez. On va bien s'occuper de vous. Et d'où venez-vous déjà? Medellin, Colombie. Bien beau pays que la Colombie. On salue d'ailleurs tous les Colombiens qui nous regardent. Et je crois savoir que dans la vie, vous posez pour un célèbre peintre, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, on est face à l'entrée de la plus vieille galerie du site. Elle date du XVIe siècle, donc bien avant la Révolution française. Et elle a servi de carrière de pierre pendant plus d'un siècle. C'est ici que la fille est morte? Non, c'est plus loin. Et pourquoi la veuve a retrouvé son corps? Parce que c'est très grand et qu'on n'a toujours pas tout exploré. Alors, en fait, si son père l'a tué, c'est parce qu'elle en aimait un autre. Et alors, elle aurait pu la marier à celui-ci? Ah non, non, ça, il voulait pas, ça. Mais pourquoi il était pas gentil, ce garçon? Ah bah si, au contraire, c'était le plus gentil du monde. Et il était moins riche que l'autre. Bon, allez, fermez-la maintenant, on avance.